peuple de la fête, vignerons honorés, membres de la confrérie et vous, spectateurs témoins venus des quatre points cardinaux, je vous salue. J'ai encore trouvé quelqu'un pour le dire, ce salut. Un roi de la fête. Pas encore ça. Il lui faut quelqu'un, ce roi. Il lui faut encore un personnage. Moi, je suis le fou. Je vous salue comme des frères. Car il est vraiment fou du cerveau, celui qui croit à sa propre sagesse. Les cordes, les bois aigus, les trompettes, le xylophone, surtout le xylophone, ça c'est important. Caisse claire, peut-être les deux premiers trombones. Je garde le tuba, les timbales, trombone 3 et 4 pour ici. Sans premier temps. Là. Les cordes, je les mets en réserve pour la septième mesure. Je n'aime pas les claquer, les pauvres. La septième mesure, il me faut toutes les cordes. Seulement, les cordes vont arriver. Oui, ça va, c'est possible. Je vais faire les deux choses. Je finis ma pipe et je suis à l'eau. Bon, je vais essayer de prendre le dessin maintenant, de faire ça assez vite. Là. Là où t'as fini, je crois que mieux que ta mère te reconnaisse, c'est vite. Là, bon, on va se mixer. Là. C'est quoi Pablo Dumono pour toi? Hein? Tu veux pas me dire? Bon, je sais pas, je crois que Dumono, c'est quelque chose qui est fait sérieusement et puis qui a l'air improvisé, que ça soit du théâtre, que ça soit de la peinture, que ça soit, je sais pas, de la cuisine. Au fond, je crois que je fasse l'un ou l'autre, puis le faire avec un certain plaisir et puis je cherche un mot qui veut dire magique, un certain sens magique. Je crois que c'est de la façon dont on fait les choses, mais je crois que l'important c'est que ça soit un plat de riz ou une peinture, qu'elle ait l'air improvisée. Voilà, les autres au milieu, c'est que tu te mets à l'extérieur ici, et toi tu viens ici. Voilà, silence, silence, les enfants, voilà. Maintenant mettez-vous accroupi, ce que j'avais dit qu'il devait être accroupi, c'est d'être au centre, au centre. On a un beau rond, voilà. Tiens. Pas serré, voilà, vous ici, tu dois recule un tout petit peu, voilà, ceux du milieu, alors en haut, les mains, on vous donne la main, en haut, voilà, vous donne la main, bien, un peu à droite, attention, c'est bon, il nous a coupé la tête, l'oncle Jules. Cette fois, c'est les pieds. Thank you.
Monsieur le Président de la Confédération, Madame et Messieurs les magistrats fédéraux, Monsieur le Président du gouvernement vaudois, Madame et Messieurs les magistrats du canton de Vaud, Mesdames et Messieurs les hôtes d'honneur, Mesdames et Messieurs, au nom des conseils de la confrérie, je déclare ouverte la fête des vignerons 1977. Nous procédons maintenant à l'appel des vignerons couronnés. Tavernet Louis. Tavernet Paul. Véron Marcel. Moret Louis. Borghi Jean. De la fête, vignerons honorés, membres de la confrérie, et vous, spectateurs témoins venus des quatre points cardinaux, je vous salue. Toute fête est illusion, mais toute fête est vérité du cœur humain créé pour le bonheur et la fraternité. Toute fête prophétise le pays de la paix dont le vin porte le symbole. C'est pourquoi la grande célébration qui commence est dédiée aux meilleurs ouvriers de la vigne. Sur le cadran de l'année, voici l'équinoxe du printemps. Le soleil entre dans la constellation du taureau.
symbole des germinations, symbole immémorial de la terre, et symbole aussi de Luc, l'évangéliste, premier des quatre sarments du cep de vie. Tu es belle comme un arbre en fleurs. Tu es femme et ton corps serait bon. Je te donne ces fleurs de cerisier. Tu es tendre. Tu es femme. Pétales blancs et roses du verger. Je mets le rameau contre mon cœur. Fleur de cerisier. Fleur de la promesse. Je t'ai choisi entre tous les autres. Thank you.
Attention, les enfants. Ils sont fragiles, les tendres bourgeons. Comme de petits doigts roses de bébé. Un rien les casse. Un rien les rend malades. Il faut les protéger. Vignerons, vignerons. Les bolettes sont fragiles. Il faut les protéger. Les bolettes sont fragiles. Et les sentiments aussi. Maladie de la vigne. Phylloxera gallicole. Produit chimique. Maladie de la vigne. Pourriture vigne. Produit chimique. Oxychlorure de tracubé. Que faites-vous? Vous répandez le poison sur les plantes et sur la terre. Nous préservons la vigne des maladies et de la mort. Vous répandez le poison sur l'eau, qui est le sang de la terre. Viendra-t-elle l'étoile vénéneuse qui empoisonne le tiers des sources? Sans traitement, il n'y aurait ni grappe, ni épi. La nature est malade. Thank you.
Voici le solstice de l'été. La lumière culmine. La part de la nuit n'est plus qu'une ombre étroite. Le soleil entre dans la constellation du lion, symbole des maturations, symbole immémorial du feu, deuxième des quatre éléments originels, et symbole aussi de Marc, l'évangéliste, deuxième des quatre sarments du cep de vie. Thank you.
les armes du colombé de bon matin, j'échoue les vents. Voici l'équinoxe de l'automne. Comme deux lutteurs égaux, le jour et la nuit, à nouveau se partagent le temps. Mais la nuit prédomine à son tour et s'insinue dans le royaume du jour. Le soleil entre dans la constellation de l'aigle, symbole des sacrifices, symbole immémorial de l'eau, troisième des quatre éléments originels, et symbole aussi de Jean, l'évangéliste, dernier des quatre sarments du cep de vie. Maria, la honra.
Le cycle de la vigne va prendre fin, tandis que commence le cycle du vin. La vigne est entrée dans le temps de sa passion. Elle sera mutilée, la grappe sera pressurée, son sang descendra dans les caves jusqu'au jour du vin nouveau. Faut plus tarder. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Dernier soleil. Faut vendanger. Soleil brûlant. Ciel pommelé. Signe favorable. Mauvais augure. Signe son poche, on se réjouit, on se retient, le temps de joie.
printemps que très précoce, ce qui nous a fait redouter le gel. La récolte promet. J'ai refait le muret au chemin des rondes. Arbres froids et dénudés, routes vides dans les champs. Les vignes sont désertes. On entend l'adieu des choses. Feuilles mortes dans la bise. Les visages viennent la nuit. Proches et lointains, de vieux amis. Des visages d'autrefois et des regards d'enfants. Boirons-nous un jour le vin nouveau d'une vigne innocente? Cadran de l'année, voici le solstice de l'hiver. Le royaume de la nuit atteint sa limite extrême, mais déjà la lumière recommence sa lente progression sur la roue des saisons. Le soleil entre dans la constellation du Verseau, symbole de la mort et de la naissance, symbole immémorial de l'air, dernier des quatre éléments originels, et symbole aussi de Matthieu, l'évangéliste, dernier des quatre sarments du cep de vigne. Il a déjà commencé la seconde. Ben, j'ai de la peine à dire, mais il picote un peu dessus. Moi, il me semble qu'il pourrait. Il est encore un peu bourru. Là, ce que vous préférez, quel c'est que vous préférez, là? Moi, je trouve celui-ci est très bon. Hein? C'est pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, oh, t'as raison, Jules. Mais il promet, il est corsé. Oui. Oh, ça va donner du bon. On l'espère. Féroce, pauvreté
qui sont un même cœur. Thank you.
santé des mariés. Santé. Le cycle du vin est achevé. Le sang de la grappe s'est clarifié. Limpide comme la jeune lumière aux portes du matin, voici le vin nouveau. Vin nouveau, symbole de la résurrection. Vin du renouveau, promesse de Pâques.
patriarche Noé, dépositaire du premier cep, le transmet à son tour aux ouvriers de la vigne à qui cette fête est dédiée. Allons voir bien. Allons voir.